Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro, je pense que c'est 203, ou du moins quelque chose près de tout ceci. Comme vous voyez, l'environnement est complètement différent. L'environnement est très différent de Vegas. Je suis, la dernière capsule, je crois que j'étais... J'étais à Seattle, je partais de l'aéroport, je crois que c'était la dernière. Et là, je suis revenue ici, ça fait 2 mois et demi que j'habite ici, dans l'État de Washington. Et un des effets ici de Washington, un des attraits, si je peux dire, ce sont les parcs. Comme vous pouvez voir, c'est un des parcs où est-ce que cette piste-là, dure et elle est longue de 5000, c'est-à-dire 8 km. Et je suis... Hello! Et c'est rare qu'il y ait des gens ici sur la piste, mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des gens. La question aujourd'hui, c'est... Quelque chose du style, si tu avais quelque chose en commun avec tes idoles. On a tendance à mettre nos idoles sur un piédestal. On a tendance, en tout cas, les gens ont tendance à faire ceci et à créer une distance en se disant que, ces gens-là sont bien mieux que moi, ou en tout cas, souvent les gens vont penser ainsi. Mais en même temps, s'ils sont vos idoles, c'est pas pour rien. Si ces gens-là sont vos idoles, c'est que vous vibrez à eux. Et si vous vibrez à eux, c'est que il y a quelque chose en eux qui vous fait vibrer. Et si vous vibrez à ceci, c'est que vous l'êtes. Hein? C'est vraiment ça, c'est que vous êtes ceci. Et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de faire cet exercice. Je l'ai fait à un moment donné pour moi. Et ça m'a permis vraiment de prendre conscience de quelque chose de moi que je savais, mais tu sais, souvent on prend conscience de quelque chose de soi. En tout cas, pour moi, c'est comme, ben oui. Mais là, j'ai pris le temps, j'avais fait une classe à un moment donné et la personne nous avait demandé de prendre le temps d'écrire le nom de nos idoles, de les identifier. Et ensuite, d'indiquer, vraiment, là, d'aller chercher qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait en sorte que ce sont nos idoles, qu'est-ce qui fait... C'est vraiment au niveau... Je vous invite à aller voir au niveau de la personne. C'est soit au niveau de la personne ou bien au niveau de ce qu'elles font dans la vie. Et pourquoi cette personne-là plutôt qu'une autre? Et ça va vous permettre vraiment de prendre conscience de quelque chose de vous. Et peut-être que vous le savez déjà, mais ça va venir confirmer ceci. Je vous donne un exemple. Pour moi, quand j'ai fait l'exercice, Martin Luther King était pour moi depuis que je suis... depuis un beau bout de temps, cet homme-là, à chaque fois que je l'écoute, il vient chercher quelque chose en moi. Et j'écoute ses vidéos parce qu'il n'est plus. Mais... Et quand j'ai pris le temps d'écrire ceci, pour moi, c'était... Waouh! Il y a vraiment une autre personne qui s'en vient. C'est cool. C'est rare, ça. C'est rare que je rencontre des gens ici. Et pour moi, c'était... Martin Luther King, c'était... Avec l'être qu'il est, il savait les mots utilisés et l'énergie... Et l'être qu'il était. Allô, Marc! Et l'être qu'il était pour transformer la façon de penser des gens, pour amener les gens à penser de façon différente, à s'ouvrir à quelque chose de plus grand pour eux. Et je me souviens que quand j'ai écrit ceci, c'était comme une évidence pour moi. C'était vraiment, ben oui, c'est vrai. Que moi, je suis ici, entre autres pour ça, et j'aime quand je fais ceci,
quand j'utilise les mots, la parole et l'être que je suis et que ça change la façon de penser des gens pour quelque chose de plus grand, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Donc, c'est l'exercice que je vous invite à faire aujourd'hui. Ça va être une capsule plutôt simple, plutôt courte. Mais ce que je vous invite à faire, c'est probablement d'arrêter de dire « Non, 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 je ne suis pas comme ça. » Mais c'est de voir que si vous vibrez à quelqu'un, ce que vous aimez quelque chose de quelqu'un, ça peut être ça aussi. Mais souvent, nos idoles, c'est ça, c'est qu'on les met tellement plus haut que nous, tellement plus meilleurs que nous. Mais si vous y vibrez, c'est parce que cette énergie-là, elle est en vous. Et si c'est le cas pour vous, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, waouh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette d'être ceci? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'ouvre à ceci de moi? Et qu'est-ce qu'il faudrait, univers, montre-moi des possibilités qui vont me permettre justement d'exprimer ceci de moi ou de prendre conscience de moi, si c'est le cas pour vous. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Oh, je croyais, c'est spécial, il y avait un petit ruisseau ici hier. Il n'y en a plus aujourd'hui. Ouais, je voulais vous partager ce beau petit ruisseau, mais je vais finir en vous montrant... Tout autour de moi, c'est vert. Pendant que j'étais à Vegas, je m'ennuyais du vert. Mais ici, je suis grandement servie. C'est beau partout. Je suis dans une piste ici. Où est-ce qu'il y a des ours. Je ne sais pas la photo si c'est des guépards ou des cougars. Mais je suis dans un endroit où est-ce que la vie sauvage est là. Et il y a un numéro de téléphone si jamais on les voit. Donc, à chaque fois que je viens ici, je demande à mon corps, « Corps, est-ce qu'on est correct d'y aller aujourd'hui? Veux-tu y aller? Veux-tu marcher? » Et aujourd'hui, je posais la question, « Est-ce qu'on va se faire manger aujourd'hui? » Par un de ces animaux-là, et mon corps a dit non. Donc, je suis en pleine sécurité. Bon, et si votre corps, justement, savait ces choses-là. Et voilà, c'est ce que j'avais le goût. Oui, oui, c'est super beau. C'est super beau, la nature ici, et ça sent, aïe, et ça sent tellement bon. Ça sent frais, bien, il faut dire que c'est frais aussi, mais la nature, j'écoutais une vidéo hier de quelqu'un, et il disait juste à respirer la nature, c'est bon pour le corps, c'est bon pour nos, je crois qu'il disait nos microbiomes, si je me souviens bien de ce qu'il disait. Donc, quand vous allez en nature, prenez le temps de respirer. C'est excellent pour notre corps parce que notre corps est formé de la même matière que la nature. Donc, c'est une des raisons pourquoi on se sent si bien dans la nature. Il y en a d'autres aussi, mais je n'irai pas là aujourd'hui. Donc, merci tout le monde. Merci d'être là. Et à la prochaine. Bye bye. Et n'oubliez pas, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là de vos idoles et vraiment de prendre le temps jusqu'à ce que vous touchiez à qu'est-ce que c'est. Personnellement, je préfère tes arrière-plans maintenant que ceux des trottoirs de béton de Vegas. Oui! Oh! Mon Dieu, ma caméra a tourné de côté. OK. Disons qu'il y a beaucoup plus de verdure ici, ça c'est le cas de le dire. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.